Si tu cherches des shardcards pas chers ou des jeux vidéo pas chers, je te conseille vraiment d'aller faire un petit tour sur le site de G2A, le lien se trouvera dans la description. Bien, salut à tous les amis, c'est Virtuos, j'espère vraiment que vous avez la pêche. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 PC pour vous présenter un mode vraiment what the fuck. Alors vous l'avez vu sur la miniature, sur le titre de la vidéo et vous le voyez en vidéo, je vais vous présenter un tank géant. Alors le tank est 1000 fois plus grand que ça normal. Bon, vous allez dire que 1000 fois j'abuse un peu, mais là dites-vous qu'il est assez loin. Quand il sera vraiment près de moi et que je vais le conduire, vous allez voir qu'il sera vraiment très très grand. On va dire qu'il va faire au moins 1000 fois la taille de Michael. Donc je vais juste me le faire spawn. Attendez, hop là. Je vais me le faire spawn. Donc pour ceux qui voudraient le télécharger, je vous mettrai le lien dans la description. Alors voici le Tank Giant. Alors là j'ai une version noire, mais il existe la version de base et plusieurs autres versions. Alors le seul petit bémol que j'ai trouvé à cette version du Tank version Giant etc, c'est qu'il n'est pas du tout maniable. Comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout moi qui le contrôle actuellement. Il se contrôle automatiquement. C'est juste parce qu'en fait, avec toutes les textures qu'il y a sur GTA, le tank n'arrive pas forcément à se trouver la place. Donc du coup ça fait qu'il bug énormément. Vous pouvez bien évidemment tirer avec, mais le petit problème c'est que ça ne tire pas vraiment où est-ce que vous voulez tirer. Je sais pas, c'est vraiment bizarre parce que le canon tire à l'opposé de là où vous voulez vraiment tirer. Bon, moi là je tire avec des Luxor parce que j'ai activé une option etc. Mais en tout cas je le trouve vraiment stylé et vraiment gigantesque. Attendez, je vais juste sortir du tank et je vais vous le montrer vu de l'extérieur. Donc là je suis à l'intérieur du tank, hein. Vous pouvez voir là je suis dans les chaînes. On va juste descendre en bas. Attendez, voilà, là il est en train de faire sa petite incantation. Là je sais pas trop quoi. Hop là, on va descendre juste en bas. Oula, il est vraiment... Attendez, on va juste se faire... On va se mettre là pour bien le voir. Hop. Hop, hop là. Alors, voici le tank version Giant. Il est vraiment, vraiment stylé. Bon, c'est exactement le même tank qu'on a pu déjà voir sur GTA 5, sauf qu'il est vraiment, vraiment méga gros. Et je voulais vraiment vous le présenter car je le trouve assez what the fuck. Je vais pas en faire un live parce que j'ai l'habitude de montrer mes mods en live. Et ça, vous avez l'habitude. Là, je pensais que faire une vidéo rien que pour ce mod, je trouvais ça plus sympathique que de vous le présenter en live. Parce qu'en live, je pense que j'aurais vite tourné autour du pot vu qu'il est pas très maniable. Donc voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo de mod. J'espère vraiment qu'elle vous aura fait plaisir. Vous n'oubliez pas de me donner vos avis dans l'espace commentaire, un petit like, un petit partage et vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye tout le monde.